Pour leur troisième séance d'entraînement en terre algérienne, les corbeaux du tout-puissant Mazem Englebert se sont contentés d'un terrain sablonneux dans un champ de bois dans la capitale algérienne. Et c'est un travail sans ballon qui était au menu sous la conduite de Lamine Diaye et de tout son staff technique. La vivacité et la vitesse étaient également au menu de ce travail à quelques heures du déplacement des champions d'Afrique de Alger vers Tizi Ouzou, où ils seront reçus le samedi prochain par les Canaries. Lamine Diaye fait le point. Alors coach, lentement mais sûrement, le jour J approche, mais disons quand même que le climat est quelque peu en train de perturber votre travail. Perturber si on veut, parce qu'on n'a pas, pu toucher les ballons. Mais bon, on a remplacé ce qu'on devait faire par un travail sans ballon. Mm-hmm. De toute façon, il faut s'adapter. En venant ici, on savait que les choses n'allaient pas être faciles. Donc les garçons, vous avez vu, ils sont détendus et tout, donc ils s'y attendaient. Et je pense qu'on travaille dans un bon climat malgré toutes les difficultés. Ça les motive davantage, c'est tout. Signalons par ailleurs que les protégés de